Salut mec, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Sadio Mané au PSG. Mais avant de parler de Sadio Mané, qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous, mais qu'on est parti pour parler de Mané au PSG. Sous contrat avec Liverpool jusqu'en juin 2023, la star sénégalaise qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec les Lions devrait changer d'air lors du prochain marché des transferts. Selon les informations de Goal, Sadio Mané veut rejoindre un grand club européen comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le PSG l'été prochain. Au sommet de sa carrière à 29 ans, l'ancien attaquant du FC Metz sait parfaitement qu'il va signer le plus gros contrat de sa carrière ayant une valeur marchande de 80 millions d'euros. Selon les estimations de Transfermarkt, le Sénégalais va avoir son prix diminué à l'été 2022 à cause une année seulement de la fin de son contrat avec le club britannique Liverpool. Une bonne nouvelle pour Sadio Mané qui voudrait faciliter son départ en direction de la Liga espagnole. Toujours d'après le même média sportif, Sadio Mané n'aurait pas encore entamé de négociations avec Liverpool au sujet d'une prolongation de contrat, ce qui le conforterait un peu plus dans son idée de quitter Liverpool à la fin de sa saison, soit pour le Barça, le Real Madrid ou le PSG. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée de Sadio Mané au PSG est vraiment une bonne idée? En tout cas les mecs, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous, j'en vous dis à la prochaine et salut.